Allez, let's go. Donc ici, je peux échanger des trucs que je trouve sur la planète à cette bonne femme. C'est une très bonne chose. Parce que cependant, s'il te plaît, merci beaucoup. Je puis continuer à aller chercher des petites choses qui traînent à droite et à gauche. Tu as beaucoup voyagé. As-tu trouvé des systèmes qui échappent à l'emprise de l'Empire? Je n'en ai croisé aucun. Il y a d'innombrables ruines disséminées partout dans le désert. L'une d'elles pourrait faire une cachette idéale. Et je reparais un peu plus haut, intéressant. Alors déjà. Qu'est-ce que cela ouvre? Un passage vers l'extérieur. La voie est close, étranger. Je suis désolée, Jedi. Cette porte doit rester fermée. Nous avons repéré des patrouilles impériales. Je comprends. Toi, tu m'énerves déjà. Passage du désert. Oh! Une vieille moto jet Aratek. J'ai jamais pu en conduire. Ce serait kiffant. Et si elle est là, c'est qu'on va peut-être pouvoir. On va finir d'explorer la zone quand même. Manière d'être à peu près sûr de ne rien oublier. Et là, ça ne s'ouvre pas. Bien, bien, bien. Pour le moment, ici, pas grand chose. Attends, y a rien ici. Non, y a rien dans ce machin. Du coup, attendez, parce que ma mission se trouve au Mantis, ok. Ça, c'est une sortie pour aller dans le désert, n'est-ce pas? Et elle, elle veut pas m'ouvrir. Ce doit être une autre sortie également. Non, elle est là, celle qui veut pas m'ouvrir. Non, ça, c'est clos, ça, pour l'instant. Ok, fort bien. Fort bien. Il y a un petit truc pour s'accrocher. J'ai normalement... Bon, écoutez, pour le moment, on va pas trop se prendre le chou. Et on va tracer. Allez, allons-y, Mérine. Maintenant au vaisseau CE Passy-Alu. Hey, Cal. Attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes. Et je me suis dit que ça pourrait te servir. Il est magnifique en plus. Ah, le survivant, bien sûr. Salut Toka, comment vas-tu? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Bah ça va, et toi? Tiens donc, il vient de popper dans le vocal, ça va. Blaster. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Nice! Je vais pouvoir faire des piou piou piou. Oh, Cowboy Bebop. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Ok. Posture de blaster obtenue. Comment c'était tout bien. Et ben voilà. Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles depuis quand pour serrer? Je ne travaille pas pour ça. C'est vrai. Désolé. Détends-toi, Karen. Concentre-toi et appuie sur la lumière. Ça vaut vraiment un petit cas. Cal n'aime pas les stormtroopers.
tout le monde. Impressionnant. Oh le bug, il était magnifique. Effectivement. C'est génial. Je refais le plein de mes balles. Voilà. Maintenant, esquive, charge le tir. Et frappe. Ok. C'est Cowboy Bebop. Alors, où est-ce qu'on va en premier? Sur Kobo ou sur la Lune? Franchement... Ouais. Je crois qu'on devrait commencer par le camp de la Haute République. Ouais, allons enquêter là-bas. J'ai affaire. C'est sympa de te voir, Myrine. Bonne chance, Cal. Le vent que tu lui as mis. Encore là à ton retour. J'espère. J'ai affaire. Allez, salut. Ouais, c'est ça. Allez, ciao, 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 ciao. Il faut qu'on se déplace. Allez. Et ma quête à cet endroit est ici. Dans une zone que je n'ai pas encore visitée, il semblerait. Je vois. Je vois où est-ce que ça se trouve pour le coup. Ok, c'est parfait. Ben, let's go, hein. On peut y aller. Par contre, l'holotable est merveilleusement belle. Hein. Et ça, ils l'ont bien réussi pour eux. T'es sur le stream du coup là? Bah non. Oh, sans déconner. Bah oui. Vas-y, il veut pas faire fonctionner ça? Vas-y, il m'énerve. Ok, c'est bon. Du coup, question. Oh, je peux personnaliser mon gun. Oh, fait péter. Oh, ah ouais, Cowboy Bebop, mais alors jusqu'au bout, hein. Ah, le gun en bois. Ah, ça irait divinement bien avec le truc. Ah, je m'en fous, je le mets, je m'en fous. Ah, t'es malade. Bon, le barillet en golden, bien évidemment. Je reviens dans quelques temps, j'ai des trucs à aller chercher. Des trucs à aller chercher? Ah oui, bah oui, d'aller, évidemment. Voilà, t'as compris. Ah ouais, ouais, superbe. À de suite. Vas-y, à toutes. En vrai, ça j'aime beaucoup. Par contre, le pommeau, du coup, il va pas super avec. Je mettrais plus ça. Ouais, c'est mieux. Quoique, attendez. Voir ça. Ça, c'est mieux. Allez, on est parti. Oui, mon gun est en bois également. Allez, on est parti. La recherche de Maître Cordova montre qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil. Donc, là-bas. Ah, ok. Créature alliée, ok. Mais écoutez, est-ce que je peux? Voilà, parfait.
Tiens, le nouveau. Salut. Salut à vous aussi. Si vous cherchez une belle vue, vous pouvez grimper sur les rebords les plus hauts du canyon. Ça en vaut la balade ? Je sais pas. J'ai jamais fait le chemin. Trop escarpé. Il y a plein de créatures là-haut. Certaines vous mangeraient même pas. Ça a l'air d'être le paradis. La montée est rude, mais vous trouverez votre chemin. Et vous admirerez la beauté de Kobo. Je le sais. Trouver le secret de la gorge. Ah, d'accord, très bien. C'est peut-être ceci, j'imagine, ou ça, ça doit être un retour. Donc il me faudrait remonter là-haut. Ouais, faudrait que je voyage jusqu'à ce point de TP là, en fait. Le problème, c'est qu'il y a cette grille là. Ouais, faudrait que je refasse tout le chemin. Faudrait que je refasse tout le chemin inverse. Au plus proche que je me TP là. C'est pas un TP mais là il y a un TP ici. Ça pourrait valoir le détour mais le secondaire on verra plus tard. Pour l'instant on doit se rendre là-haut. J'imagine, oui c'est ça. Ça s'ouvre ? Non. Ah. Oh, c'est un gourtiflo. Ah, morbleu, c'est juste calme. Pardon pour le mauvais accueil. Je suis toujours un cran quand je pêche des garpons fingerlips. Drôle de nom. Ils sont féroces, mais ça dissuade pas les braconniers. Pauvre garpon. Même s'il est rare, c'est un délice pour les cœurs froids et les estomacs vides. C'est parti. Les collines indomptées. Ça là-bas j'ai déjà été visité si j'ai bon souvenir. Ça je vais glisser n'est-ce pas? Non c'est un chemin. Ça je ne pouvais pas l'ouvrir. On est bien sur la bonne route, n'est-ce pas? On est bien sur la bonne route. C'est parfait. Cowboy Bebop. Let's go! Pour l'ambiance sonore ? Non, je fais que passer. Tu chasses des sons ? C'est bien ça. Dédé est passionné par les cris des planeurs. Oh, c'est très joli. Tu sais, le Pailoon Saloon à l'avant-poste aurait bien besoin d'un peu de divertissement. Ça pourrait être pas mal. Dédé affirme que ces bêtes l'ont regardé de travers. Ouais, ça marche. On se retrouve à l'avant-poste. On se voit là-bas ? Nice! Nice, nice, nice! Ça ne s'ouvrira, j'imagine, absolument pas. Ah! Et t'en fais pas. Ça. Je te ferai rien. Je t'ai déjà vu, toi, non? Voilà, merci. Nickel. Allons-y. Il semblerait qu'il y ait un monstre pas très très clair là-dedans. Oh oui. Oh, je sais pas où on va, mais on y va. C'est parti!
tu m'as vu. Ça va aller, oui. Vous allez la laisser tranquille, cette pauvre bête. Z peut sûrement récupérer les données dessus. Merci, toi. Saute. Je peux coller ça nulle part, c'est ça? Bah alors? Viens. Je peux pas le coller nulle part, ça. Quel enfer. Pourquoi tu veux pas venir? Tu restes, hein. Mais c'est là où j'ai arraché la bestiole. C'est pour pouvoir remonter. Bah oui, mais... Y'a aucun endroit où je peux coller ce machin. Ah. Allez, Neko. Maintenant. Alors du coup, je vais glisser, voilà. C'est pouvoir remonter avec cette bestiole, mais comment? Ça doit être la sortie. Mais comment on l'atteint? Comme ça. Je pense pas, très sincèrement. Donc suite. Il y a un raccourci inactif. Je suis là. Donc si je contourne ce caillasse. Ouah, que dalle, si ce n'est la mort. Si je me souviens bien, il est censé être quelque part. À la mort des Jedi. Je suis programmé pour éliminer tous les ennemis de Revis. En fait... Notre victoire est inéluctable. Nous sommes encore nombreux. Ouais, chaud. C'est abusé, oh. Faut se détendre un moment, les gars. Je vais réapparaître à l'autre bout. En plus, parce que j'ai pas trouvé de point là, punaise. Quel enfer. Ah ouais, bordel, sérieusement, putain. Oh, quel enfer, je vous jure. Gentil, Neko. Monte. Je vous vois. Il s'échappe.
D'accord, oui, oui. On est où là? Maintenant! Oui, il me laisse regarder. Non, vers le haut. Merci. Je l'ai pas vu venir celle-là, j'avoue. Eh, BD! Cache ta gros utile, hein! Maintenant, BD! Tu ne fais rien! Tu rêves! Ah ouais, je rêve, ouais. Quel est ce fuck? Ça vient de là-bas? Il semblerait. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un l'a verrouillé. Il y a sûrement une autre entrée. Alors là, je vois un queutru. Ça, je ne peux pas le déplacer. Alors là où c'est ouvert, c'est bien. Malheureusement, ah ouais, c'est ça le problème. Par l'extérieur, qui me dit, mais ah, par là peut-être. Ah. Coucou les bébêtes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? C'est infernal comme machin ça. Ok. Allez Neko. Il y a un point de méditation. Re Nina, t'as bien mangé? Re. Il y aura ce qu'il faut pour la nuit. Ça marche. Et coucou Nina. Non, c'est bon, le son est ok. C'est bon, le son est ok, merci. C'est cool. Où c'est que je l'ai mis? Là. Regardons ça. Ah.
Ces trucs étaient en plastoïde. C'en est presque drôle. En plastoïde, d'accord, pourquoi pas. Pour le combat. Tu survivrais pas dans les arènes de combat. Prends ça. Allez, tiens. T'as fini pour que ça. C'est toi tu finis. Non mais oh. Il y a un bras qui a volé. C'est dommage hein. Oupsie. Aïe. Donne à moi. Ouais, chaud. Mais je vais lui fumer sa race à ce machin. Je t'avoue que j'aurais apprécié faire comme toi, malheureusement ça n'est pas possible. Envoie-moi privé ce que t'as prévu. Ferme, j'ai pas votre time. J'ai le XP à aller récupérer. Vous êtes insignifiant. Et toi, tu vas te détendre. Envoyé privé. Nice, c'est mort. Tu vas mourir. Viens ici, et pas toi. Mais c'est une blague ou quoi? Blaster? Non, pas au blaster. Dégage! Aide-moi! Oh, je l'ai esquivé au dernier moment! Non!